Ce spectacle, Une nuit la mer, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on tourne, on en a même créé un autre. C'est en fait sur une idée de Pascal Ducourtiou, qui est un musicien rochelais, un ami, qui avait au départ un peu envie de composer, mais autour d'une voix parlée, autour d'une voix qui récite, qui raconte, et puis qui aimait bien ce que je faisais en termes d'écriture, donc qui m'a proposé cette aventure, parce que pour moi la scène c'était quand même une vraie aventure. Et on est parti sur cette idée, au fond, de partager le quotidien des marins quand ils sont en mer la nuit, parce que c'est mystérieux, c'est poétique. Et donc c'est ce spectacle qui, au fond, déroule une nuit en mer, et au fur et à mesure de la nuit, on peut imaginer que le marin est à la barre, qui regarde les étoiles, les vagues, et qu'il se raconte des histoires, au fond, pour peut-être pas s'endormir. Ce spectacle est ponctué d'histoires qui sont des histoires qui me plaisent. Donc il y a l'histoire de la découverte du Cap Horn, il y a des souvenirs personnels, il y a des histoires des navigations polynésiennes que j'admire énormément. Donc voilà, c'est un vrai voyage.